YouTube. Alors on va partir faire une arène, sachant que ce n'est pas, mais alors pas du tout ma spécialité. J'ai même mis en titre Twitch là, l'arène de la loose, hein, parce que je m'attends ni plus ni moins à 3 défaites. Donc si on a une victoire déjà, on sera content. Je vais pinguer la nulle pour la peine. Ah, on se ping mutuellement. On sent qu'on a des cartes, hein. Ça fait plaisir. Bataille de Flamiche. C'est moi qui ai commencé. En toute logique, si on continue comme ça jusqu'à la fin, c'est moi qui gagne. Allez, un sort bien. Un sort. Oh là, on paraît combien qu'il a le contre-sort. Est-ce que je peux juste lui mettre mon explosion de pyrotechnie dans la tronche et après j'abandonne? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? 5. Ou même je tue ça. Contre-sort. Bon, on abandonne, c'est rien. GG, well play. Picoute, tu m'as saoulé. Deck de merde aussi, là. Moi, j'ai toujours des decks de merde en arène. Alors bon, alors là, je veux rien de tout ça, en fait. Je t'explique. Très chiant, hein. Oh là 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 là. Oh. Mais où sont les cartes à faible coût de mana dans ce jeu? Est-ce que c'est possible? C'est périlleux, ma foi. Contre-mesure active. C'était quoi? Léviathan des flammes, quand vous piochez cette carte, inflige 2 points de dégâts à tous les personnages. Oh, ah, le mec, il a eu une légendaire. Au calme. Oh là là, mais c'est pas possible. Il a le chevalier Murloc. Ah oui, bonjour. What the fuck? Mais non, mais... Mais le jeu est sérieux? Je suis dégoûtée, quoi. Non mais la chatte du mec? Non mais c'est pas possible. Non mais regardez, attendez, regardez l'émulation de crapaud. Énorme. Allô? Bon bah jouer, hein, je pense que c'est une bonne idée. Après c'est à toi de voir. Hein. Il est parti pisser peut-être. Peut-être qu'on tient notre chance de win. Peut-être que la victoire est là grâce à l'AFK. Free win. Non, je l'ai vu bouger ses cartes. Oh non. Le temps me manque. S'il y a le contre-sort, je rage quitte. Contre-sort. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, c'est tout pour moi. Une boule de feu, un ping, on est bon, hein, de toute façon, on sait. Oh, bah oui! Oui, bien sûr! Deux légendaires en arène, mec, Ragnaros! Ça s'appelle se faire rouler dessus! Bon, je sens que cette arène va être méga rapide. Ah là, j'ai bien peur que ce soit donc la troisième défaite qui se profile. Je crois que c'est mon décor préféré juste parce qu'il y a ce bruit là en fait. Oh là 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 là! Oh oui, le contre-sort! Je commence à taper, il me reste seulement 4 points de vie. Oh non! Oh là 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 là! Et j'ai rien pour me soigner, donc bon. Oh là 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 là! La tension est palpable! Oh non! Le silence! Oh
d'accord, j'ai une carte pour ce soin. 9, 10, 11, 12! Oui! Waouh, le retournement de situation, je croyais plus moi. On a fait une win. Pff, énorme. Elle a pas fait zéro lose. Yipipi pourra. Le chat est en ébullition évidemment. Les mauvaises langues là qui avaient dit zéro win, hein. On la ramène moins hein, sur le chat, hein. Non bon d'accord, c'est là. Je l'ai un petit peu volé en fait. Il doit être trop deg le mec, tu vois, de m'avoir mis à 2 points de vie et que je fasse un retourné de crêpes acrobatique. Il me la silence et du coup j'ai une chouette en entité miroir. C'est nul à chier. Putain. Oh putain, là, alors là il va me falloir mon choc de flamme. Top deck choc de flamme. Top deck choc de flamme, je réclame mon choc de flamme. Choc de flamme, viens à moi. Ouh oui. Putain. Allez, boum, ça dégage. Ah. Oh, oh non. Après, donc je fais un défi rapidement hein, parce que ouais voilà. Il a eu Yogg-Saron dans son paquet de cartes, alors il veut crâner de ouf. Oh, il me dit bonjour, ça veut dire qu'il va me rouler dessus. Bonjour. Bonjour. Alors, l'entité miroir, clairement, sur un Yogg-Saron, ça sert pas à grand chose. Pourquoi pas des 3 points de dégâts si la chatte est présente. T'es présente, mesdames et messieurs! Boum! Et bah oui! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, le Yogg-Saron! Il est là! Oh là 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 là! Oui, d'accord. Oh, ça me soigne! Oh, le mouton qui repop, évidemment, hein, le meilleur! Oh, par contre, furie des vents, ça bof! Oh. Non! 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 Cheater! Oh, putain! Allez, boum! Oui, moi je dis le c'est tout, c'est pas un Yogg-Saron. J'ai gagné. T'as perdu, je suis rien fait ça. Au suivant, le chicha patate. Là t'es pas bien, non je suis pas bien du tout. Du tout, du tout, du tout. Mon Cetoun il est bien lui, mais encore faut-il qu'il vienne hein. On aimerait bien qu'il vienne. Ça nous ferait plaisir de le voir. De. Allez! Top deck, Cetoun! Cetoun, je t'appelle! C'est maintenant qu'il faut venir! Maintenant ou jamais! Cetoun! Viens à moi! Je te l'ordonne! Pas du tout! Oh! Mon évolution qui tombe! Ah! Point nommé! Petite provoque.
comme ça. Allez, une provoque. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Putain, il joue Enzot le bouc. J'aurais dû le voir venir. Bonjour, merci d'être passé. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. C'était un plaisir, vraiment. Incroyable. Tu vas pas me laisser à un point de vie, quand même. Fais les choses bien. GG, well play, Schizio. Pour ton admirable Enzot, une carte que j'ai pas et qu'il faudrait que j'ai, hein, parce que clairement, clairement c'est sympa. On a mérité une petite légendaire. On a mérité une petite légendaire. Moi, je dis ça, j'ai rien. Allez. Vorgaine corrompu. Implorateur funeste. Ouh, doré. Bon, juste pour l'implorateur funeste, franchement, j'avais mérité une dorée. Je suis très contente. En plus, je l'avais pas. Et en plus, elle va me servir. Donc voilà, je suis contente. Du coup, je vous fais des bisous. Et je vous dis à vendredi. Ciao, bye bye.